Donc voilà, mes élèves, alors on va commencer par les exercices. Premier exercice, c'est l'exercice 1 qui contient. D'abord, nous avons ici Bafa, c'est le contraire que j'ai déjà dit dans la leçon. J'ai dit qu'on va donner des exercices, mais des exercices de sens contraire. Comment de sens contraire? On va donner directement un diagramme et on va remplir le tableau. Après, on va trouver les éléments nécessaires, le mode et la médiane et la moyenne arithmétique. Voilà. Donc nous avons ici le diagramme. Ce diagramme, il s'appelle le diagramme combattant. Voilà. Il y a encore histogramme pour les classes. Il y a encore circulaire. Ça, c'est rare, on trouve ça. Donc on peut trouver ça dans les exercices. Mais d'abord, la méthode, il est unique de remplir le tableau à partir d'un diagramme. Ou bien à partir de l'histogramme, ou bien à partir de diagramme circulaire. Ici, nous avons l'effectif. L'effectif représente quoi? Et ici, la note. Toujours ici, c'est caractère. Et voilà, ici, c'est l'effectif. Toujours, c'est pour ça que j'ai écrit ici l'effectif. L'effectif, c'est le nom des élèves. Le nom des élèves qui. Et la note, par exemple, ici, la note. Voilà. Donc, je vais dire ça. 2, ça veut dire la note 2, combien d'élèves il a obtenu? 2, c'est 1 à l'élève. Ici, 3, c'est 3 élèves. 4, la note 4. 5 élèves. La note 6, ainsi de suite. La note 7, la note 10. 10, c'est 2 élèves. Non, 1 élève ici. 10, c'est 1 élève qui a obtenu 10. Donc, on va tracer d'abord le tableau. Donc, ici, on commence par tracer le tableau. Directement. On trace un tableau. Ici, il y a la note. Ou bien note, directement note. Au pluriel, note. Ici, l'effectif ou bien le nombre des élèves. Effectif ou bien le nombre des élèves. Et voilà. On va laisser ici. On ne sait jamais. Ici, on va écrire effectif QI. Effectif cumuli. Voilà. Effectif cumuli directement. Donc, on commence. Donc, 1, 0, personne. 1, personne. Donc, la note A personne a obtenu ça. Donc, on commence par 2. La plus petite note, c'est 2. Donc, la plus grande note, c'est élevée un peu, c'est 10. Donc, naturellement, ces exercices, c'est un contrôle des élèves de première, donc primaire. Ce n'est pas le secondaire. Naturellement, c'est un accident. Hein. C'est un accident. Donc, on commence. Donc, 2. 1. 3. Combien d'élèves? C'est 3. 4, 5, et 5, 2, on passe à 6, 7, 3, plusieurs élèves vont enrouler, c'est ça, c'est d'abord si ça fait le mode, c'est ça le mode, directement le mode c'est le plus grand effectif, donc 6, la note 6, il y a 7 élèves, donc c'est le plus grand, directement, on va déduire que ceci, le mode de ceci, c'est resté ici, tout simplement, donc 7, 4. Non, je vais vérifier d'abord. Ouais, c'est 4. En 8. 5. 9. 3. Et finalement, 10, c'est 1. Voilà. On a rempli d'abord. Alors ici, on va chercher quoi? On va chercher directement l'effectif cumulé. La question, dans tout le tableau, il y a la note, l'effectif et l'effectif cumulé. L'effectif cumulé, tout simplement, directement, 1. 1 plus 3, c'est 4. 4 plus 5, c'est 9. 9 plus 2, c'est 11. 11 plus 7, c'est 18. Donc, je vais vérifier. 1 plus 3, c'est 4. 4 plus 5, 9. 9 plus 2, 11. Ça veut dire les élèves qui ont augmenté, qui a obtenu comme moyen 5. Ou bien, moins de 5. 5 au moins. 5 au plus. 11 plus 7, c'est 18. 18 plus 4, c'est 22. Et 22 plus 5, c'est 27. 27 plus 3, c'est 30. 30 plus 5, c'est 31. Donc voilà, 18 plus 4, c'est 22. 22 plus 5, 8, 9. 22 plus 9, 38, 30, 31. Voilà. Donc ça, 31, ça s'appelle l'effectif total.
L'effectif total est égal à 31. 31. Ou bien je peux dire vraiment une chose. Je vais dire une chose. Vous savez, puisque je représente 31, le nombre total des élèves. Le nombre total des élèves est 31. Alors d'abord, on va calculer. D'ailleurs, la première question, remplir le tableau. Deuxième question, déterminer le nombre. Donc, le nombre. Donc, on a ici l'effectif, le plus grand effectif, c'est 7. On a l'effectif, bien le plus grand. Le plus grand effectif qu'on avait dans la leçon, on regarde le groupe, et 7, vraiment. Donc, le mode I, la note 6. I, 6, ou bien la note 6. Voilà. La note 6. Deuxième exercice qui contient un tableau. Après, on va répondre sur les questions du tableau. Donc, on commence. Donc, nous avons un tableau ici, avec les caractères 10, 20, 30 jusqu'à 70. Et nous avons l'effectif 2. Après, il y a encore l'effectif 5 et 3. Il y a encore l'effectif qui manque au fond. Je trouve qu'il faut déterminer. Et nous avons l'effectif cumulé. Nous avons parfois les cases sont vides. Donc, il faut les déterminer. La première question est déterminer donc, les cases vides. Vide ou bien complète de tableau statistique. Voilà tout simplement. Nous avons déjà ici caractère 10, l'effectif, son effectif c'est 2, et l'effectif cumulé c'est 2. Donc 2 plus 5 égale à 6, donc 2 plus combien? 2 plus combien égale à 6? Car c'est l'effectif cumulé croissant, donc 2 plus 4 est égal à 6. 6 plus 5 est égal à 11, 11 plus 3 est égal à 14, 14 plus 6 est égal à 20, 20 plus 8 est égal à 28. 28 plus quelque chose est égal à 30, naturellement, c'est 2. Donc, on a complété le tableau tout simplement. Les exercices de la statistique, c'est très facile. Deuxième question, calculer la moyenne arithmétique. Donc, là, on a besoin de les calculer. On a besoin de les calculer, s'il vous plaît. On a besoin de les calculer. Donc, deuxième question, la moyenne arithmétique. N égale. Donc, la moyenne arithmétique, c'est-à-dire tout simplement 10 fois 2, c'est 20. Plus 20 fois 4, c'est 80, 30 fois 5 c'est 150, 40 fois 3 c'est 120, 50 fois 6 c'est 300, plus 60 fois 8 c'est 480, et 70 fois 2 c'est 150 divisé par l'effectif total, c'est 30. Directement, on va trouver 2600, 100 plus 150 plus 30, on va trouver 43 plus 44, ainsi de suite, comme ça, 43 plus 49, et ça s'appelle la moyenne arithmétique. Tout simplement, en utilisant la calculatrice, on va trouver. On passe d'abord, on va trouver directement déterminer la médiane. La médiane après le mode. On commence par le mode. Qu'est-ce que ça veut dire le mode? Le mode, le caractère qui est le plus grand effectif. Le plus grand effectif. Donc, troisième question. Le caractère qui est le plus grand effectif ici. L'effectif qui est le plus grand ici, c'est 8. Donc, le caractère qui est le plus grand effectif. Le caractère qui est le plus grand effectif. Plus grand effectif. I, 60. Pourquoi? Par l'effectif plus grand, c'est 8. Alors, le mode I, 60. D'abord, la médiane. La médiane, on va commencer. On a N divisé par 2 est égal à 15, je pense. N, oui. L'effectif cumulé total c'est n, donc n ici dans cette série statistique est égal à 30. 30 divisé par 2 est égal à 15. Voilà. Le plus, donc ici on va chercher 15 ici, il n'existe pas 5, il n'existe pas 15. Donc on va chercher un nombre qui l'effectif cumulé plus grand, ou bien supérieur à 15. Donc on a
1 sur 2 égale à 15. Et on a. Donc voilà, on a le plus petit. Effectif. Le plus petit. Effectif. Voilà. Supérieur. Ou bien quel supérieur? Il est supérieur. Supérieur à 15 i. Et bien, voilà, naturellement, 20 plus supérieur, le plus petit supérieur, il est encore 28 à 30, mais le plus petit supérieur à 15 i. Voilà. Le caractère de 20, qui est l'effectif 20, qui a l'effectif 20 et 60. Oh, non, c'est ça. Voilà, donc, la médiane i, le caractère 50. Ou bien tout simplement, on va écrire n égale à 50. Tout simplement, vous pouvez directement répondre à ça. On n'a pas besoin d'écrire tout ça. Vous pouvez répondre directement. On va calculer obligé pour l'examen. N divisé par 2, c'est 15. Donc on va chercher 15 ici. Et il n'existe pas 15, on va chercher le nombre le plus supérieur. Le plus petit supérieur. Donc le plus petit, les nombres supérieurs, il y a 20, il y a 28, il y a 30. Donc on va prendre le plus petit. 20. Donc 20, c'est pas 20, on va prendre 50. Donc on va dire directement, alors la médiane est égale à 50. C'est bon? Donc je te conseille de t'entraîner beaucoup, de faire beaucoup d'exercices, de nombreux exercices concernant le statistique pour préparer au contrôle bien au niveau du examen. Et merci.